fuir Denver. Très bien, allons-y. Fuyons Denver. Je me baisse un petit peu mon son parce qu'il est taille de fort. Et on y va. Dans l'épisode précédent, on s'était crashé. Toujours dans Denver, on n'avait pas eu le temps de vraiment partir de la ville. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas 5 trucs. On va tenter de prendre cette petite nanopatte. Hop. Bon, on a été vu. Espérons que ça ne nous coûte pas la dite nanopatte. Ah, je crois que je l'ai tué. Ah ouais, voilà, j'ai peut-être... Je l'ai tué, potentiellement. Mais en fait, il y en a 153 des vaches. Putain, il fait bien mal quand même. Oh, merde. Excellent. Allez, on récupère de la vie. Si possible. Non. Peut-être, un peu. Ça ressemble pas à une récupération de vie, tout ça, mais c'est pas grave. Bâtard! Putain, il pense qu'à esquiver avant qu'il appuie. Ok. Surtout, ne me donne pas ce que je veux, hein. Ce serait dommage. Ok, jusque-là on est bien. Yes! C'est ce que je voulais. Faut tourner à 170% de vie parce qu'on a quand même 170% de vie. Et ça, ça fait plaisir. Bon, finalement ça va. On a déclenché un combat, mais... Mais on a eu... On a eu les récompenses, on n'a pas perdu de vie au final, et on a gagné un pack de soins. Ce qui fait plutôt plaisir. Il y a un truc par là-bas. Ah oui, là-bas. Hop, 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 hop. Et on passe à 180%. On disait que c'était la fête, que c'était trop bien. Du coup, le jeu nous a dit, ah ouais, c'est trop bien. Bah, reprends une dose, mon gars. Et nous on a fait oui, oui, donne-moi. Et on retourne à 5 packs de soins, c'est-à-dire on a atteint le maximum. Alerte. Oh, oh. Et ouais mon gars, allez, pas de plaisir. On va pas crever là. Il y a un boule d'arzark dans la gueule. Ah quand même. Pas un tort pour rien le gars. Ah. Ok, on commence à être nombreux là. You take over. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore des gens. Non, il n'y a plus de gens. Le résultat de combat me dit qu'il n'y a plus de gens et qu'on a gagné 4200 points parce que ça fait du bien. Allez, on les élimine, c'est des petits. Il vaut mieux les tuer maintenant qu'après. Tant qu'il n'y a pas autre chose avec. Donc oui, ça juste stun. Ok, excellent, ça récupère. On récupère. Où est-ce qu'il est? Il est là. Beaucoup la musique commence à devenir complètement folle parce que c'est un combat. À cause d'un tripod. Genre ça va les mecs. Vous avez vu, c'est pas très dangereux non plus. Waouh. J'ai rien dit, ça fait des bombes. C'est le mec. Pour toute ma famille, je vais faire ce monde.
Putain, y'en a deux, putain. Putain, y'a la race de gens, en fait. Oh! Oh, le mec. Alors, toi, mon gars. Viens ici. Viens ici, je te dis. Il est où? Il est là. Putain, je suis passé sur l'eau. C'est pas grave. Ah, excellent! Voilà. Oh! Oh mon dieu! Oh, le mec! Comment il est arrivé d'un coup là? Oh, 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 j'ai fait un coup! C'est tout ce que j'ai réussi à caser. Et j'en suis très heureux. Putain, bâtard. Oh putain! Rotation de CC, quoi, s'il te plaît. Danger d'extinction. Allez, boum! Succès du verrouillé. Vous êtes en extinction, mesdames et messieurs. Ah, je l'ai loupé. J'ai pas fait la touche. Si. Ah, c'est bon. Un peu peur quand même. Genre quand tu fais un seul coup, net et précis. Et après tu fais... En mangeant son âme. Oula, oula, oula. Ah ouais, j'ai ce coup là aussi. Attends, il y aura juste un là-bas. On va le faire quand même par propreté. Il est où? Il est là. Voilà. Non, parce que je veux dire... Si je peux récupérer des points... Ok, merci. Le mec m'a visé, mais... Mais il me voit pas. C'est énorme. Ah, y'a un mec à sauver. J'ai jamais réussi à sauver un gars. Non, oh, regarde. J'étais en train de réfléchir à comment est-ce que je peux y aller sans me faire voir. J'ai encore loupé. Décidément. Putain, le mec il m'a couru dessus, quoi. T'as pas de race? Arrêtez ça! Comment il s'est fait exploser? Ça, là-bas, c'était censé être un truc fort, ça. Il s'est fait démonter la gueule. Oh putain, bâtard! Ça t'a craqué, où t'as le droit, quoi? Oh, gars, il m'a vu exploser une des plus grosses armes de leur armée en quelques coups. Et s'est dit, tiens, je vais lui mettre un coup de matraque, c'est quand même une bonne idée. Ça a prouvé quand même mon unité que je suis un fier garant de la justice. Bon, je suis passé à travers. Bon, il y avait un autre coffre là-bas, mais j'ai la flemme d'y retourner. D'accord. Si tu veux. Ah, c'est un singe. C'est chiant. Ah, ce qui est encore plus chiant, c'est qu'il y ait d'autres gens avec là. Oh putain. Oh le mec. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très bien. C'était très nul et ensuite c'était très bien. Toi par contre tu arrêtes.
Je les ai tous détruits. Mais qu'est-ce que tu... Ah, laisse-moi tranquille. Oh, les caméras. Oula. You. Yeah. Ouf. Non, t'as pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Eh oui, mon gars. Excellent. Je meurs. Je suis bloqué par une voiture. Bonjour. Oh mon dieu, non. J'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ai-je ouvert la porte? Oh, des fruits. Des pastèques. Excellent. Fameuse salopastèque. Ça pour le voir. Hein? Oh! Ah oui, il y en a trois! C'est interdit, trois. Un en moins. On a dit trois, c'est interdit. Il m'a mis une baigne, le gars. Non! Non! Yes, excellent! Interdit ça! Oh, je fais de mon esquive trop tôt! Waouh! Il y a du talent, hein! Il récupère la vie, excellent! T'as des gars qui ont cru, quoi! Tiens, la pastèque! C'est pas passé? Genre vraiment? Genre vraiment? Je suis bloqué ici? Ah, j'ai eu peur. Après tout ça, finir bloqué à cause d'une salopastèque, jamais. En plus, avant une cutscene. You have escaped the pursuit. Hey, seems Boris. Like you have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Right. Une moto. Ça va être une moto. Voilà. C'est-à-dire, bon. Raiden en mode badass, ça prend forcément une moto. J'ai emprunté votre moto. Merci de votre coopération. Ah, écoutez, c'est un plaisir, hein, monsieur Raiden. Un plaisir. Ah, c'est la fin de la mission. Une mission faite en un quart d'heure, donc, hein, c'est... les missions rapides, hein, voyez-vous. Ah, on met une heure pour finir une mission. Moi, avec ma lenteur exceptionnelle. Là, ils se sont dit non. Celle-là, ça va aller vite. Oui, on va personnaliser le corps de Raiden. Pourquoi pas, après tout. Donc, on avait terminé pour la vie. Parce qu'on était des mecs un peu comme ça. 36 000 pesos. 36 000 pesos, on peut prendre amélioration d'énergie. Deux fois. C'est pas mal. C'est pas mal.
Everything okay on your side? I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. Good. I'm almost there. Du coup, on s'arrête. Ah. Voilà. Ah. C'est l'ami Wolfie. Oh, bâtard. Traîtrise. Like having a little heart to heart. I have analyzed his words and actions. I am unable to ascertain his motivation. Fancy meeting you here. Il t'a touché. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me. Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. Arrête. C'est le moment. C'est le moment où on va se battre contre Sam. I don't care who thinks I'm right. And I've got cause enough for killing you. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight? Moi, j'aime tout le monde. Don't interfere. This is between us. Oh, ça va être dingue. And it ends here. On va mourir 118 fois, au moins. Okay. Let's dance. Ouh. Prochain épisode, mesdames et messieurs, on combattra Sam. Je suis un petit bâtard.